Alors là, on est avec donc la maison d'enfants du Chaudan, Albertville. Donc c'est une maison d'enfants qui s'occupe de gamins qui vont de 4 à 18 ans. Là, c'est un service particulier qui s'appelle le SACEP, c'est de l'aide à la parentalité. Donc pas mal d'activités qui se font avec les parents. Donc il y a deux éducatrices qui s'occupent de ce service, Dominique et Magali. Et on a commencé avec elles un cycle d'escalade donc sur 6 semaines. Donc tous les vendredis soirs, on a fait de l'escalade avec 8 enfants. Et puis là, c'est la dernière journée, c'est une journée, on est à la falaise de Notre-Dame-du-Pré, en Tarentaise. Et l'idée, c'est d'en ils vont faire de la tyrolienne, de la slackline, grimper un peu, faire du rappel, essayer de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris. Et surtout, en fait, sur les 4 dernières séances, les parents sont venus. Et donc, les parents grimpent, assurent. Et donc, voilà, l'idée, c'est de partager aussi entre les enfants, les éducateurs, les parents. Et du coup, ouais, on passe une bonne journée. C'est la première fois qu'on fait ça, qu'on met en place ces cycles-là. J'espère que ça va continuer. Et c'est quel genre d'enfants, alors ? Ouais, les enfants, ils ont de 3 à 9 ans sur ce groupe-là. C'est les plus petits. Et du coup, c'est plutôt des enfants, donc c'est des enfants en difficulté. Par contre, qui sont quand même pas mal accompagnés sur leurs parents, avec leurs parents. Donc les parents participent aux activités. Il y a de l'aide aux devoirs. Il y a des activités qui sont proposées par les éducatrices. Et moi, j'interviens parce que j'ai un diplôme de guide. Et Yelena, qui est avec moi, qui est PE d'escalade. Donc nous, on propose des activités sportives. Et qu'est-ce que ça leur amène, l'escalade ? Alors, on s'est rendu compte que ça amène plein de choses, puisque c'est déjà au niveau émotionnel, la forte charge émotionnelle. Pour eux, ça fait ressortir, alors, au départ, beaucoup d'angoisse. Et l'idée, c'est de travailler aussi sur ces angoisses de séparation. On le voit souvent sur la descente, le rappel, ou quand on fait des voies, s'ils ne nous voient pas, qu'on est au sommet. Du coup, on essaie de travailler ça aussi, la confiance en soi, et puis juste aussi de se faire plaisir. Il y a des gamins là, qui ont vraiment accroché à l'activité. Ils ont fait 6 séances, et là, la semaine dernière, ils devaient choisir leur colonie de vacances pour cet été. Ils ont choisi en fonction... Ils ont choisi la colonie de vacances parce qu'on proposait de l'escalade. Donc voilà, moi je trouve que c'est... Ça suffit déjà, le fait qu'ils se fassent plaisir dans une activité, parce que ces gamins-là, ils ont souvent du mal à s'inscrire dans des activités régulières, en club, parce que c'est quand même des gamins qui sont assez turbulents, on peut le voir. Et là, ça se passe bien, hein, c'est la 7e séance, avec nous, il y a un lien qui est particulier. Et donc du coup, nous, on est quand même 2 professionnels, plus 2 éducateurs pour 8 enfants. Donc, mais quand même, malgré tout, ça demande d'être présent, puisqu'il y a des parents en plus qu'il faut surveiller, enfin, il y a tout ça à mettre en place. C'est pas un cours d'escalade comme un autre.